Donc pour la première partie, on va voir les échauffements pour plus un niveau basique pour bien commencer Jujutsu. C'est surtout adapté pour les ceintures blanches jusqu'à la violette à peu près. Et donc pour le premier exercice, je vais me mettre contre le mur et à chaque fois, je vais vous montrer quelques mouvements à faire pour bien s'échauffer et ne pas se blesser pendant les combats. Donc le premier échauffement, on se met contre le mur avec les deux mains collées contre le mur. Les deux pieds aussi, et juste je roule en arrière. J'étends mes jambes et je reviens et je recolle les quatre membres. Je repars et je reviens. Très important de rouler sur l'épaule. Ensuite, le deuxième échauffement, on met la main droite derrière le dos et on vient rouler tout en laissant les deux pieds collés au mur. Et je roule sur ma nuque. Je reviens et je me relève. Et je repars de l'autre côté. Donc, je mets ma main collée contre mon dos, je tombe sur mon épaule et avec mon pied gauche, je vais m'aider à m'appuyer pour rouler et comme ça, je tourne sur ma nuque. Et pendant le combat, j'aurai beaucoup plus de mobilité si je roule sur ma nuque que sur le dos. Et je repars encore de l'autre côté. L'objectif, c'est de le faire un maximum de fois. Comme ça, on s'habitue à tourner sur le cou et pas sur le dos. Et le dernier exercice, donc le troisième exercice, on croise les deux jambes, les deux collées contre le mur, et je tourne. Chaque fois. Hop, je reviens. Et j'essaie de ne pas m'éloigner contre le mur. J'essaie de rester proche, comme si j'avais l'adversaire ici. Et je défends à chaque fois. Et je tourne. En même temps, je ne pose pas mon bassin par terre et ça m'oblige à tourner mon bassin. Hop. Et les mains toujours là pour défendre. Je peux varier entre les trois. Je touche. Je viens. Je retouche. Je tourne.